Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, ce samedi 16 octobre 2021, comme tous les samedis en direct à partir de midi, toute l'équipe de Montchalon TV est encore très heureuse de vous accueillir pour échanger ensemble autour de thèmes d'actualité, mais aussi des thèmes qui vont nous permettre d'entrer davantage dans la profondeur de la question « Qui suis-je ?», la connaissance de soi. Et puis, nous vivons en société, nous vivons dans une dimension sociale, et cela nous permettra aussi d'entrer dans la réalité, dans la compréhension de cette organisation qui nous impacte au quotidien, et puis de voir si au-delà, dans la dimension universelle, mondiale, voire plus loin, il n'y a pas d'autres alternatives de fonctionnement. Et puis, comme toujours, vous savez que nous vous proposons une façon de voir, un regard hors du commun qui se veut aller même au-delà de la sphère sociale, au-delà de la sphère universelle. Donc, nous vous laissons l'opportunité d'écouter les échanges, l'analyse, d'interagir avec nous, de faire remonter vos interactions. Et puis, comme toujours, nous rapprochons toujours la façon dont nous abordons ces thèmes avec notre quotidien pour qu'ensuite, au fur et à mesure, les jours suivants, vous puissiez apprécier, éprouver, confirmer ou infirmer ce qui vous a été présenté comme regard. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons de la doxa. Et c'est un thème, je pense, qui vous a interpellé, qui vous a peut-être percuté. Parce que comme nous allons le voir dans un petit sondage que nous avons fait rapidement hier sur le forum Un regard nouveau sur la société, très peu ont déjà entendu ce terme, cette expression, au contraire, qui est très primordiale dans la compréhension de nous-mêmes et de la société. Je rappelle juste que nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, et grâce auxquelles vous avez des chats par lesquels vous pouvez donc nous faire remonter vos questions, vos commentaires, vos témoignages à l'écoute de ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, nous sommes là pour au moins une bonne petite heure d'échange, d'interaction, d'écoute et d'analyse. Voilà. Donc, nous allons effectivement rapidement regarder le résultat de ce sondage. Donc, un petit échantillon, mais très révélateur de la réalité, en général, autour de ces expressions, de ces termes qui se veulent hermétiques, qui se veulent réservés à une catégorie d'individus, le terme « doxa ». Donc, il avait été posé cette question simple. Est-ce que vous savez ce qu'est la doxa? Est-ce que vous-même aviez déjà entendu parler? Et dans la petite dizaine d'individus qui ont répondu au sondage, aucun n'avait déjà entendu parler de cette expression. Personne ne savait ce qu'est la doxa. Souvent, la première fois qu'il voyait, comme le précise Olivier Carola, c'était lors de l'annonce du thème. Donc, en tout cas, on espère que ça a suscité, comme pour la plupart, cet intérêt. Et beaucoup ont été, donc, à ce moment, rechercher ce qu'est la doxa. Et je pense que vous avez été très interpellés. Et cela vous donne, je pense, envie d'écouter ce que nous avons à partager autour de ce thème intéressant. Voilà. Donc, pour ma part, je vous ai préparé quelques petites affirmations. Des affirmations que je vais vous demander d'écouter et d'écouter aussi la réaction qu'elle suscite en vous. D'accord? Alors, je vais vous dire, la terre est ronde, l'homme descend du singe, la Bible, c'est la parole de Dieu, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Si tu veux réussir dans la vie, il faut aller à l'école. Et plus tu fais de longues études, et plus tu as de la chance de réussir dans la vie. La vie, c'est un combat. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour manger équilibré, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. 1 plus 1 égale 2. Et puis, une autre affirmation, une autre phrase qui fait écho à la situation actuelle. La vaccination est le seul moyen de se protéger, de protéger les autres dans une situation virale.
Voilà, donc ce sont des affirmations. Je vais donc vous demander d'être honnête avec vous et de savoir quelle réaction vous avez eue à l'entente de ces affirmations. Est-ce un acquiescement ou une objection? Et aussi maintenant, après avoir analysé cette réaction à l'intérieur de vous, je vais vous demander, mais pourquoi cette réaction? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cette réaction? Et est-ce que vous pouvez vous dire si cette opinion, puisqu'il y a là des opinions, des affirmations, même des croyances qui ont été présentées, que vous avez en vous et qui a suscité cette réaction précise, est-ce qu'elle est en vous parce que cela vient d'une expérience, d'une investigation personnelle, d'une recherche expérimentale qui a construit une conviction, votre opinion? Ou est-ce plutôt un acquiescement ou une objection liée à une opinion publique, une opinion conventionnelle, une opinion commune à une communauté plus ou moins élargie, que ce soit votre région, votre pays, votre État ou mondial? Voilà, donc ça, ce sont des questions qui amènent petit à petit à voir l'intérêt de ce qu'on appelle la doxa. Voilà, est-ce que la plupart de ce que vous appelez, puisqu'on va ici, je vais aussi vous demander d'essayer de jauger, essayer de voir un peu le pourcentage des opinions que vous appelez vos opinions au quotidien, vos convictions, vos croyances, mais qui peut-être ne sont que des opinions que vous avez épousées, que vous avez admises, sans forcément être dans une démarche de recherche expérimentale ou par conformisme. Donc, voici vraiment le fond de la pertinence de ce que l'on va aborder aujourd'hui, la doxa. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui vont donc interagir avec nous pour enrichir cette émission. Et puis, avant de donner la parole à notre premier intervenant du jour qui va donc nous donner sa définition de la doxa, la portée de la doxa dans notre quotidien, et puis aussi comprendre d'où vient cette doxa et quel est son objectif réel. Et puis aussi, comme beaucoup à l'écoute de cette définition, de se demander mais comment en sortir, nous allons rapidement regarder une courte vidéo où il y a une personne qui se propose une définition de la doxa qui est assez pertinente. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un mot très important, qui est le mot de doxa. Alors, la doxa, ce sont les croyances et des valeurs sur lesquelles tout le monde est à peu près d'accord. D'accord ? Ces croyances et valeurs sont complètement inconscientes et donc indiscutables. Parce que, pour discuter une croyance ou une valeur, il faut au préalable en prendre conscience. Donc, la doxa, c'est ce qui va de soi, c'est ce qui est hors de question. C'est-à-dire qu'on n'en a tellement pas conscience, on pense tellement que c'est évident qu'on ne pense même pas à la questionner. Donc chaque culture, évidemment, a sa doxa, ses croyances et ses valeurs. Chaque classe sociale a sa doxa, ses croyances et ses valeurs. Et dans chaque champ, il y a une doxa. Donc chaque classe sociale, comme je viens de le dire, a sa doxa. L'habitus, évidemment, détermine nos points de vue, nos prises de position et notre doxa. Dans chaque champ, il y a une doxa, des croyances, des valeurs, une illusio, des intérêts, etc. Donc, dans le champ médiatique, vous aurez une doxa médiatique. Dans le champ politique, vous aurez une doxa politique. Dans le champ économique, vous aurez une doxa économique. Dans le champ académique, vous aurez une doxa académique, etc. Dans chaque champ, il y a des croyances et des valeurs propres à ce champ. Par exemple, dans le champ économique, la doxa sera plutôt les affaires sans les affaires, par exemple. Les affaires sans les affaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de sentiment en affaires. C'est le business is business. Ça, c'est la doxa économique. Dans la doxa journalistique, par exemple, c'est le journalisme est un travail important, objectif, impartial, un contre-pouvoir nécessaire en démocratie, etc. Ça, c'est la doxa du journalisme. Donc, la doxa, ce sont des présupposés, ce sont des axiomes, c'est-à-dire des vérités indémontrables, si vous voulez, axiomes de base auxquels il faut adhérer si on veut faire partie d'un champ. Donc, si vous voulez faire partie du champ médiatique, vous devez impérativement adhérer à la doxa médiatique. Les médias sont objectifs, nécessaires, vrais contre-pouvoirs. Ça, je viens de le dire, mais je le répète. C'est très important pour illustrer ce concept de doxa.
Doxa du champ philosophique. La philosophie est très importante, c'est la mère des sciences, etc. Ça, c'est la croyance fondamentale de tous les philosophes, si vous voulez. Doxa économique. Les riches sont importants, ils créent de l'emploi, le marché s'autorégule, les affaires sont les affaires, etc. Il y a comme ça un certain nombre de croyances, de valeurs qui structurent le champ, quel que soit le champ économique ou le champ politique, etc. La doxa, c'est aussi le fait de croire qu'il y a des inégalités et qu'elles sont justes, normales et naturelles. Ça, c'est une doxa vraiment très... Voilà un petit extrait d'une vidéo très intéressante. Si cela vous intéresse de la voir dans son entièreté, nous allons mettre le lien en description dans les commentaires YouTube. Mais déjà, cette première partie montre ce qu'est la doxa, donc l'univers derrière la doxa et aussi son utilité, son impact dans la population, dans notre quotidien, même dans ce qu'on appelle je suis, moi, qui suis-je finalement. Voilà, donc très intéressant. Nous allons rapidement laisser la parole donc à Luc Bimaille. Luc Bimaille, le premier intervenant du jour. Bonjour à toi Luc, qu'est-ce que la doxa? Bonjour Angéline, bonjour à tous nos auditeurs, tous nos amis qui nous écoutent toujours. Et dont certainement le réseau s'élargit tous les jours. Et puis, je vais te suggérer, toi qui fais la modération de ce moment-là, que nous évoluions un tout petit peu dans un échange interactif, ce qui permettra à nos auditeurs également de pouvoir être avec nous, de pouvoir nous suivre. Et au moment où tu faisais des différents points, commençant par le sondage, en suivant par la vidéo que nous avons écoutée, et puis aussi certaines questions très importantes que tu as posées pour toujours essayer de donner aux uns et aux autres l'idée de ce que c'est que la doxa. Il y a une question qui remontait dans mon esprit. Est-ce qu'au moment où un enfant est dans le sein de sa mère, déjà à partir de la forme du fœtus, est-ce qu'il a une opinion de lui? Quand j'ai dit opinion, c'est-à-dire l'opinion qu'il va avoir au moment où il sort du sein maternel. Et tout de suite, lorsque l'enfant sort du sein maternel, tout le monde peut le remarquer, il n'a aucune opinion de rien. C'est-à-dire qu'il n'a aucune opinion de l'environnement dans lequel il rentre. C'est cet environnement qui va construire des multiples opinions qui vont être d'abord la base, alimentant l'imaginaire, l'idée que l'enfant se fait de lui et l'idée qu'il se fait des objets qui l'entourent. Donc, c'est son environnement qui va construire ces différentes opinions. Et ça me rappelait une fois une expérience que j'avais vécue avec un enfant à mon salon. Il y avait un laser sur la table que nous utilisions. Et l'enfant voyait cet appareil pour la première fois. Et je lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Il m'a regardé, il me dit, il ne sait pas. Et puis, j'aurais pu lui dire que ce laser-là, j'aurais pu lui donner une opinion qui n'avait rien à voir avec le terme à partir duquel on définit cet objet. L'enfant aurait cru à ce que je lui aurais dit en ce moment-là. C'est-à-dire que son opinion vis-à-vis de cet appareil aurait été celle que moi j'aurais créée. Vous voyez, donc c'est cela. Pour comprendre en fait ce que c'est que la doxa, c'est un ensemble des opinions. Bon, est-ce que ces opinions-là sont-elles extérieures à ce que l'individu représente, ce que l'individu est lui-même? Ça nous renvoie ici à la manière dont ce qu'on va appeler l'environnement social ou l'ordre social, comment il est structuré. Ce n'est qu'un ensemble d'opinions. Ces opinions sont représentées de manière multiforme, sous la forme de tout ce que l'on observe, des voitures, des humains,
ainsi de suite. Et donc, de telle sorte que tout ce que l'on observe en réalité n'est que la représentation structurelle de ces opinions-là. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là que nous observons très bien que, au fur et à mesure que l'environnement social évolue, c'est-à-dire qu'il est modifié, les opinions elles-mêmes se modifient, par exemple. Et puis ces opinions, bien entendu, puisque c'est ce que l'individu, l'être humain, bien entendu, il est l'une des représentations, et ça va être la base de toutes ses croyances. Donc, on comprend que lorsque quelqu'un dit « je », ou alors on lui donne un nom juridique, si nous allons au-delà du nom qui est donné à l'individu, nous rentrons simplement dans une case d'opinion. Vous voyez, ces opinions, on peut arriver à les répertorier. Et puis, ces opinions elles-mêmes sont en lien avec l'environnement où elles sont tirées, c'est-à-dire l'environnement social. Ces opinions ont une matrice, cette matrice, c'est l'environnement social, c'est l'ordre social. Donc, ça relève là vraiment d'une architecture bien pensée par certains individus, bon, et qui souvent se considèrent comme des intermédiaires entre un certain principe qu'ils considèrent souvent comme étant le principe architectural, c'est-à-dire l'architecte, le grand architecte, donc qui leur inspire la manière dont ils doivent organiser un environnement donné, c'est-à-dire l'environnement social. Donc, chaque idée que l'on a, ou alors que l'on reçoit du grand architecte, on peut arriver à structurer cela. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut penser, on peut concevoir ce que Jean va être, on peut concevoir ce qu'un André va être, on peut concevoir ce qu'un ingénieur, on peut concevoir ce qu'un médecin, on peut concevoir ce qu'un balayeur, on peut concevoir et puis arriver à le structurer. Donc l'individu lui-même va représenter qu'une somme d'opinions. On peut concevoir ce que c'est que la famille, donc, et puis arriver à structurer ça. Et puis ça devient un diktat, ça devient un dogme pour tout le monde, jusqu'à ce qu'on ait fait évoluer cette opinion structurée sous la forme de la famille et le reste. C'est-à-dire qu'on déforme, on dit, bon, maintenant, cette forme-là de famille, elle n'est plus exactement celle qui convient. Il faut la faire évoluer, on va la modifier. Et puis ça va devenir un dogme, parce que tous ceux qui vont rentrer dans un espace pareil, c'est à partir de ces représentations, qu'on va construire leur opinion. Vous voyez qu'on va construire leur opinion. On prend des termes comme la justice, par exemple, et puis on définit ce que c'est que la justice. On fait une forme de représentation de la justice. Et qui devient l'opinion de tout le monde, la croyance de tout le monde, la base de la croyance de tout le monde. On prend des termes comme la pureté, par exemple, et puis on en fait une représentation à l'extérieur. Et donc, c'est à partir de cette représentation-là qu'on va donc construire l'opinion, éduquer ou construire l'opinion d'un individu qui rentre et qui a besoin d'être éduqué. Et c'est ainsi que, avant d'aller loin, on observe très bien que en pédagogie, généralement, on ne commence pas à éduquer un enfant par les mots. Voilà. On commence à utiliser les images parce que ces images sont représentées à l'extérieur. Et lorsque ces images lui sont données, c'est-à-dire comme une sorte de carte mémoire, il devient un peu une compilation de ces images. Et derrière ces images, on peut commencer à donner des significations, donner des définitions, en d'autres termes, donner des sens à ces images. C'est-à-dire, par exemple, on dit, l'enfant vient là, on dit la richesse. Bon, maintenant, il faut bien qu'on lui présente l'image de la richesse. Et puis, à partir de cette image de la richesse, lorsqu'on va évoquer ces mots, ça va renvoyer à cette représentation qui est à l'extérieur. Bon, et donc c'est ça devient une sorte de une sorte de dogme, une sorte d'opinion. Et donc pour dire en fait que, et donc c'est tout ça qui va faire ce que l'on va appeler ici un environnement social, ou alors ce qu'on va appeler ici la société. Et au fur et à mesure qu'on modifie cette opinion, cette opinion, ou alors ces opinions, on modifie ici la société. Bon, et remarquons bien que, parce que dans la définition qui est donnée, on dit l'ensemble des opinions. Donc, c'est une multitude d'opinions.
Bon, nous allons avoir un espace comme une maison. Et dans la maison, il y a différents compartiments de la maison. Il y a des salles de douche, il y a des cuisines, il y a des séjours, il y a des chambres. Bon, et puis ça, c'est la maison qui va être répartie en plusieurs compartiments, en plusieurs chambres. Voilà. Mais c'est la même maison, sauf que chaque compartiment faisant partie de la maison va permettre à la maison de jouer son rôle, de jouer sa fonction en réalité. Bon. Et c'est de cette manière-là que dans le même espace social, on va trouver des différents champs sociaux. Donc, quelqu'un qui sort par exemple d'un environnement familial, il représente une certaine opinion qui des fois est différente de l'opinion d'une autre famille à côté. Mais tout ça, c'est le même champ. Voilà. Et quelqu'un qui sort, il sort d'une tribu pour des pays où les tribus ont encore leur raison d'être. Quelqu'un se réclame d'une tribu. Cette tribu va renvoyer à une somme d'opinions que les gens partagent ensemble. Bon, même si la tribu elle-même est divisée en familles. Donc, ce qui fait que les familles elles-mêmes aussi peuvent avoir des divergences dans des opinions, dans le partage, les échanges d'opinions. Mais derrière, ça renvoie vraiment à la même source. Bon, ça va permettre quand même à ce que cet environnement-là, globalement, puisse jouer réellement sa fonction. Mais les formes qu'on observe ne sont que représentatives de ces différentes opinions, les formes qu'on observe. Et c'est ça aussi qui va être aussi la base du conflit que l'on va avoir. Parce que lorsque l'opinion, ou alors la somme d'opinions que je représente, n'est pas exactement les mêmes opinions que l'autre en face représente, ça va créer un électrochoc, ça va créer forcément un conflit. Bon, il peut même arriver que vous utilisez les mêmes termes, mais le sens que vous donnez dedans, c'est-à-dire l'opinion, le sens qui est dedans, qui fait votre opinion, de toute façon, ça va créer une sorte de conflit, une sorte de disharmonie, une sorte de confrontation, une sorte de collision entre les individus représentant la même opinion sociale. Et puis donc, on va parler de l'opinion familiale, on va parler de l'opinion nationale, on va parler même de l'opinion internationale, ou alors la communauté internationale, ou l'opinion internationale. Vous voyez ? Donc, moi, ce qui m'intéresse sur ce thème-là, parce qu'on peut bien s'étendre dessus, mais le rôle que joue ce mécanisme-là, cette architecture-là, tu vois, parce que lorsque, Angéline, tu as annoncé le thème, simplement en trois lettres, la doxa, chose comme ça. Moi, je disais, j'aurais pu ajouter en disant la puissance de la doxa, pour voir combien les opinions, lorsque on est tiré de cette matrice d'opinion, de cet océan d'opinion, combien en réalité ce sont ces opinions qui créent ton imaginaire, qui créent ton comportement, qui créent tes habitudes, qui créent même ton état psychique, qui créent même, on pourrait dire même tes pathologies, ces opinions. Ce sont ces opinions, non seulement tu as été tiré de cet océan d'opinions, mais ces opinions représentent ici un champ de force considérable, un champ magnétique considérable, donc en réalité qui envoie des ondes, des signaux, des informations qui vont déterminer à chaque fois ce que tu représentes. Et je pense que les plus avisés considèrent cette architecture comme étant le bouclier social. Ce sont ces différentes opinions constituées en un champ d'énergie important qui protège la société. Vous voyez, dans la Bible, par exemple, je te laisserai certainement poser la question pour qu'on évolue, mais dans la Bible, il y a des symboliques qui sont utilisées. On dit le Christ est descendu dans le séjour des morts. Bon, et c'est quoi le séjour des morts? Mais c'est cet océan d'opinion qui représente une puissance terrible. Donc, une pesanteur extraordinaire, capable de retenir tout ce qui sort d'elle, tout ce qui ne lui est pas supérieur. Elle a ce pouvoir, cette capacité de te retenir. Donc, il faut donc qu'il y ait une force qui vienne de plus loin en haut pour pouvoir sortir, pour pouvoir traverser, pour pouvoir s'élever au-dessus de cet univers d'opinion. Vous verrez que c'est pour ça que ce qui permet à l'État, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent, de pouvoir réellement contrôler la société, c'est d'alimenter la puissance des opinions. C'est de renforcer la force des opinions. Parce qu'on a toujours peur que du sein de cette opinion
elle peut être nationale ou universelle, qu'il naisse une opinion supérieure capable de détruire l'opinion sociale, c'est-à-dire d'affaiblir le bouclier social. On peut dire le champ magnétique social. Vous voyez, parce qu'il y a certaines informations d'actualité qu'on a, face auxquelles on se retrouve. Alors on dit que les scientifiques ont trouvé que le bouclier qui protège la Terre, le champ magnétique terrestre, donc le bouclier est en train de faiblir. Bon, et qu'est-ce qui fait faiblir ce bouclier? Ça veut dire que quelque part, il y a certainement un mouvement. Il y a certainement un type de mouvement, l'émergence d'un type de conscience, d'une autre manière de penser en réalité donc le champ magnétique social serait incapable de pouvoir contenir et qui menacerait donc de renverser les digues sociales. Donc cette opinion. Et cette opinion-là dicte la manière de s'habiller, la manière même de manger. Angéline venait de le citer tout à l'heure. Cette opinion va décréter que c'est cette opinion qui va décréter ce que c'est que l'intelligence et ce qui n'est pas l'intelligence. Ces différentes opinions peuvent dicter que l'intelligence vraie, par définition, c'est la folie. Et que la folie, c'est l'intelligence. Tout le monde va se plier dedans. Vous voyez, donc, c'est cela, c'est une puissance considérable. Et c'est ça qui fait la force de la société, c'est ça qui fait la puissance de la société. Cette société comme un ordre structurel, comme une architecture. Et il faut aussi ajouter que ces opinions sont artificielles. Elles n'ont rien de naturel, elles sont artificielles parce que c'est un collège d'individus qui, se prenant pour avancer, pour illuminer, pour très avancer, comme des intermédiaires entre Dieu et la basse sphère, ce sont ces individus qui s'asseyent pour concevoir ces opinions et les multiplier, et les reproduire. Plus ces opinions sont reproduites, plus elles deviennent une force considérable, une puissance considérable. Et si chacun s'écoute, ça permettra en réalité de comprendre qu'est-ce qui dicte mes pensées, qu'est-ce qui dicte ma vision des choses, qu'est-ce qui crée mes projets, qu'est-ce qui crée mes angoisses quotidiennement, qu'est-ce qui crée mon état émotionnel, qu'est-ce qui, en d'autres termes, qu'est-ce qui dicte mon mouvement au quotidien. Vous verrez que ce sont ces opinions. Et souvent, des termes qui sont utilisés, tels que quelqu'un est égaré, quelqu'un a raté sa vie, quelqu'un est insensé, ça ne se réfère qu'à ses opinions. Donc, ces opinions deviennent, on pourrait dire, le commencement à partir duquel on reproduit d'autres éléments. On pourrait dire le logos. Voilà, le logos, comme on dit, au commencement, il y avait la parole, et par la parole, Dieu a créé toutes choses. Donc, ça va être la base. Comme disait quelqu'un, que apprendre, c'est internaliser des représentations extérieures. Mais ces représentations ne sont que ses opinions. Ce sont ces normes, ce sont ces paradigmes et qui finissent par créer des opinions, devenir des opinions vivantes, dont des forces importantes. Alors, je te laisse, si tu as une question dessus, pour nous permettre d'évoluer. Voilà, déjà, merci beaucoup pour cette première partie d'analyse, avec encore cet approfondissement de pourquoi, donc cette doxa, on a entendu à travers donc ce que tu as pu nous apporter, que, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il dit société, dit doxa. C'est-à-dire que la doxa, c'est, on va dire, le point, un des points élémentaires, une des bases de ce qu'on appelle la société. Et quand on parle de société, comme tu l'as d'ailleurs signalé, on ne peut pas voir la société en dehors d'une poignée d'individus qui estiment être donc dans la conscience de l'intérêt de cette société, donc être la société en termes d'objectifs, et qui crée donc des collèges, n'est-ce pas, des collèges à partir desquels ils vont penser une opinion que tous doivent être, dont tous doivent être la représentation, et donc par laquelle ils doivent, par lesquelles ces opinions, ils doivent s'activer au quotidien. Donc, ma question est de savoir, par rapport à ce qui émerge en général lorsqu'on entend ce genre de choses, est-ce qu'il serait possible de penser
mode d'organisation, une société en dehors de ce mécanisme. Parce que pour beaucoup, certes, peut-être que doxa ne veut pas dire vérité, mais au moins cela permet d'avoir, de maintenir un certain ordre dans l'obtention des objectifs collectifs. Donc, quelle pourrait être une alternative si ce n'est une autre doxa? On ne t'entend pas, peut-être que ton micro a été fermé. Oui, merci. Le micro était fermé, merci beaucoup. Alors, donc, je rappelle ici que, pour répondre à la question que tu poses et que certainement ceux qui nous écoutent se posent, la doxa, ici, renvoie à une somme d'opinions qui deviennent une manière de penser, donc des croyances, mais qui sont totalement artificielles. Totalement artificielles. Donc, ça veut dire que ce sont des opinions, dans l'audio, la vidéo que tu as, ou l'audio que tu as mis en premier, que nous avons écouté, le monsieur le souligne très bien. Ce sont des opinions qui sont invérifiables. Qui sont invérifiables. Voilà. Et, par exemple, lorsque tu prends un système comme les ordinateurs que nous utilisons, ou le téléphone, c'est sous le principe de la doxa. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de codes qui sont mis ensemble pour faire fonctionner le logiciel. Vous voyez, donc il peut arriver que ces logiciels ont le programme pour que dans son fonctionnement, la conséquence soit de tuer les gens. Donc le logiciel ne peut pas vérifier l'intention de celui qui le met sur pied. Parce que c'est celui qui le met sur pied qui va déterminer sa fonction. Donc on dit ici... c'est un système artificiel, une intelligence artificielle. Donc, lorsque je représente une somme d'opinions programmées qui détermine ma fonction en société, mon rôle, pour permettre à ceux qui mettent sur pied cet ordre-là d'atteindre leur objectif, eux, ils connaissent l'objectif. Donc, je suis un être artificiel. Je n'ai rien d'intelligent. Et c'est cela, la doxa. Ça devient une sorte de dictature. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas une éducation qui te permet de vérifier les orientations ou les directives qu'on te donne. Bon, parce que d'ailleurs, si tu prenais le temps de vérifier, celui qui met sur pied ce type d'opinion serait en danger. Il comprendrait ton intention. Tu décélérais son intention derrière et c'est sûr que tu ne l'exécuterais pas. Il n'atteindrait pas son but. Voilà. Donc, un autre système, on peut dire, c'est tirant sa source de l'intelligence au sens pur du terme, n'aurait donc rien à voir avec la doxa, n'aurait rien à voir avec les croyances. C'est-à-dire que les éléments représentant une source pareille, ce type de source intelligentielle, chacun se développerait de manière consciente, en ayant conscience que ce qu'il est, ce n'est pas lui, ça renvoie à cette source-là. Et donc, on aurait la capacité, lorsque quelqu'un se comporte, lorsque quelqu'un utilise une certaine expression, ou alors lorsque quelqu'un est en face avec le mouvement de la création, il aurait donc la capacité d'aller au-delà du mouvement lui-même, mais discerner la source même qui détermine ce mouvement. On aurait donc ici un système dont l'ensemble des éléments, ou alors l'ensemble, c'est pas dire les citoyens, seraient les fonctions de l'intelligence. Il n'y aurait donc pas en haut des maîtres qui, eux, y connaissent, et puis en bas, ce sont des abrutis qui attendent que ce soit les maîtres qui leur disent, qui leur expliquent tout le temps les choses. On aurait donc un système totalement différent. Et nous sommes tous d'accord que dans un système qui est organisé, où il y a, comme fonctionne le règne animal, par exemple, dans la chaîne alimentaire, on dit donc les plus gros mangent les plus petits. Donc si les plus gros ont construit leur puissance, l'espoir de leur puissance apparente sur les plus petits, donc lorsque les plus petits arrivent aussi à rejoindre la sphère des plus gros, ben les plus gros eux-mêmes disparaissent, ils se branlent. On n'aurait pas un système pareil. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour cette raison que la doxa comme étant le principe de gouvernance de la société, parce que tout ce que souvent les gens affirment, les opinions à partir desquelles on juge, on crée les conflits, on s'angoisse, on a peur, personne n'a vérifié en réalité le fond de ces opinions. Mais tout simplement, c'est qu'on fonctionne comme ça de manière programmatique. Donc un autre système, dont alternative,
n'aurait donc pas, n'aurait pas la même source, n'aurait même pas les mêmes objectifs, voyez, n'aurait même pas le même but, parce que tout simplement la nature de ce système alternatif étant totalement différente. Oui, permets-moi donc de rebondir rapidement à ce point par rapport à cette alternative. Alors, dans souvent les échanges, notamment avec des personnes qui se disent avec l'esprit cartésien, quand on présente, même quand on parle de cette possibilité d'alternative après avoir diagnostiqué l'état actuel de notamment la société, il y a souvent cette expression, mais c'est une utopie. C'est-à-dire que, oui, c'est possible, on peut en parler, on peut limite en rêver, mais au niveau pratique, au niveau réel, ce n'est pas possible de matérialiser. Les choses sont comme elles sont et elles resteront ainsi, puisque l'homme ne peut changer. Donc, par rapport à ce point, à ce point sur l'alternative, est-ce qu'on est vraiment dans une utopie, quand tu parles de puissance de la doxa, est-ce telle que si, imaginons-moi, je commence à pouvoir réfléchir par moi-même, être l'expression de la réflexion dont on parlait la semaine dernière, et prendre conscience. Est-ce que je demeurerai seule, par exemple, et face à cette puissance de la doxa qui pourrait même avoir cette capacité finalement de me ramener, ou est-ce possible qu'émerge du sein, n'est-ce pas, de cette société où existe cette puissance de la doxa, un collectif au-dessus de la doxa? Oui. L'image qui me vient dans l'esprit pour répondre à cette autre question que tu poses est celle d'un architecte. Et avec une certaine dimension de construction lui permettant de concevoir un édifice. Et puis, cet édifice qu'il conçoit, puisqu'il est à la base de l'information permettant de structurer l'édifice, il va être capable de structurer sa conception, de l'organiser, voilà, de la ramener à la fréquence de ceux qui ne sont pas dans son univers, dans son niveau de conscience. Maintenant, si l'architecte qui a conçu cet édifice, ou alors a reçu des informations concernant cet édifice, il va les confier à quelqu'un qui n'est pas de sa sphère. Et donc, il construit l'opinion de cette autre personne à partir de ce que lui a conçu, sans que l'individu soit en lien avec la source de l'architecte. C'est donc cet individu-là, ce deuxième individu, qui ne serait pas capable de structurer cela. Donc, en réalité, ce que je veux dire, c'est que l'utopie concerne réellement l'univers de la doxa. C'est-à-dire, lorsque nous sommes construits à partir des opinions programmées, bien sûr, nous demeurons dans l'utopie. Il n'est pas possible, fonctionnant comme un système mécanique, il n'est pas possible de pouvoir proposer une alternative. Vous voyez, c'est-à-dire que de pouvoir structurer, organiser ce que l'on ne représente pas comme conception naturelle, comme perception venant de lui-même, parce que ce sont des idées arrêtées. Maintenant, si vous avez au sein d'un environnement pareil, des individus qui ne représentent pas cet environnement social, mais qui tirent leur information donc, de la source, considérant ici comme le principe. On peut considérer que le principe comme l'intelligence, même par définition, bien entendu, ce qu'ils sont, ils arrivent à le rendre structurel. D'ailleurs, eux-mêmes étant la forme structurelle de cette manière de percevoir les choses, il ne s'agit que de reproduire ou de multiplier ou de dupliquer ce qu'ils sont eux-mêmes. Pour terminer et donner la parole peut-être à nos autres intervenants qui nous écoutent et qui ont peut-être envie d'apporter des éléments sur ce point par rapport à donc cette structuration en termes d'alternative pour bien comprendre la portée de ce que tu apportes. Est-ce que donc ce collectif qui est réalisable, qui peut se structurer, n'est-ce pas, dans, on va dire, une dimension de vérité, puisque toujours dans cette quête d'être selon l'information telle que la source
quelle intelligence la conçoit. Est-ce qu'elle peut finalement réussir à englober toute la société? Donc, est-ce que l'objectif final, c'est que de ce groupe, de ce collectif, puisse finalement être enrôlé tout le reste? Ou est-ce qu'on va toujours rester dans cette dimension où, comme on dit toujours, il y a une poignée d'individus, un collectif plus ou moins élargi, mais qui devra être toujours dans l'interaction de cette majorité, puisque au niveau social, on est dans l'esprit de la majorité, d'une majorité en termes de nombre, qui, elle, comprend autrement. Est-ce que certains, comme ils la voient, peuvent penser former un collectif qui va finalement ramener tout vers soi, ou avoir cette capacité, même étant inférieur en nombre, à interagir avec ce qui peut être présenté comme une majorité, comme la puissance de la doxa? Oui, vous savez, c'est là justement que la question nous permet de comprendre l'intention qui est dans les politiques de l'éducation. Donc, justement, les politiques de l'éducation, la politique de l'éducation, pardon, qui est l'un des moyens de multiplication des opinions ou alors de la doxa, permettant de créer un environnement donné, nous renseigne sur la question que tu poses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui gouvernent restent très, 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 très vigilants, parce que ne considérant rien comme acquis, et que la civilisation, à tout moment, telle qu'elle est, elle peut s'envoler. Parce que la civilisation, telle que nous la connaissons, ce n'est que cet ensemble d'opinions totalement fabriquées, en réalité, et qui, chaque fois, est modélisée. On la fait évoluer. C'est pour ça que, quand on observe bien la société, comment elle évolue, on a l'impression de ne pas avoir affaire aux mêmes individus, qui ne s'habillent pas de la même manière, qui ne mangent pas de la même façon, et qui n'ont pas le même rapport, entre guillemets, à l'environnement, le même rapport entre eux-mêmes. Donc, ça veut dire que chaque fois que l'opinion de fond est modifiée, on modifie aussi le comportement, on modifie le mode vestimentaire, on modifie le rapport que l'individu a à lui-même et à son environnement. Donc, on sait donc très bien. Donc, c'est pour ça qu'on veille aussi à ce que, malgré la différence apparente de ces multiples opinions, mais qui en réalité reflètent la même matrice, reflètent la même source, et on sait que c'est lorsqu'elles constituent un bloc unique qu'elles représentent un bouclier important, une force importante, capable de pouvoir s'opposer s'il y a lieu à une autre force extérieure. Donc, à l'intérieur, donc, s'il arrive qu'il émerge une autre manière de voir, qui n'est donc pas programmatique, qui n'est pas issue de cette matrice sociale, qui n'est pas la conséquence de la multiplication des opinions sociales, donc de cette doxa. Et cette manière de voir, selon sa source de provenance, plus elle est ascendante sur la source de provenance, sur la source qui inspire l'organisation sociale, c'est-à-dire la doxa, au fur et à mesure qu'elle se multiplie dans le même espace, dont le rapport de force inverse. Vous voyez, parce que c'est une question de, même dans les lois de la physique, lorsque vous rapprochez deux corps, n'est-ce pas, des puissances inégales, des puissances différentes, c'est le corps qui représente un volume d'énergie supérieur qui va influencer l'autre corps en face. Ce n'est pas le corps représentant un volume d'énergie inférieur qui va influencer, déterminer le mouvement du corps qui reprend le mouvement d'énergie supérieure. Donc, on le sait clairement comme ça. C'est pour ça qu'on veille, lorsqu'on parle de la sécurité au niveau de la sphère sociale, c'est que justement, on veille à ce que de ce milieu-là, qu'il n'émerge pas un autre modèle, une autre manière de penser et qui risquerait de se multiplier, qui risquerait de s'étendre, en sachant qu'aucune manière de penser, en réalité, ne peut émerger sans qu'elle ait une source verticale, sans qu'elle ait une source verticale. Et donc, plus une manière de penser vient d'une source beaucoup plus éloignée et qu'elle arrive à se structurer sur la Terre, c'est-à-dire les ondes qu'elle émet, donc en réalité, sont capables de modifier l'environnement, de modifier les structures que l'on trouve sur place. Et donc, on veille à ce que pour que la société se pérennise, il faut faire en sorte que ce soit comme un espace clos et que ce soit seul les opinions programmées,
les opinions directionnées qui sont modélisées, que ce soit ces opinions-là qui occupent l'environnement. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est elles qui renvoient des ondes, qui déterminent le mouvement de tout. Oui, merci. Donc finalement, est-ce quand on voit cette intention de la société qui est, on va dire, instinctive, de se protéger, de défendre ce qu'elle est, comme tu parles de tout élément du règne animal, n'est-ce pas? Donc, est-ce possible, finalement, va-t-elle avoir cette capacité de contenir tout ce qu'il voudrait en sortir? Ou, quand on parlait notamment de loi naturelle, loi sociale et loi humaine, lorsque on sort de la doxa, on entre dans une loi supérieure, et donc on a cette capacité, en plus, dans un nombre, de pouvoir renverser ce qui est la représentation d'une loi inférieure, la loi artificielle sociale. Est-ce que, finalement, que peut-on conclure par rapport à ce point? Je souligne que lorsque on est la doxa, on est la projection de la doxa, c'est-à-dire l'environnement social ou les opinions sociales, on ne peut pas sortir la doxa. Ça, c'est très important parce qu'on est la doxa. On n'est pas à se dissocier de la doxa parce que l'on est la projection de la doxa. Ça renvoie là à l'identité de ce que l'on peut appeler la société elle-même, qui est une personne morale. Et donc, cette personne morale qui est la racine même de ce que l'on peut appeler ici opinion. Et ce sont ces opinions qui vont se projeter à travers toutes les autres formes que l'on observe. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, comme c'est souligné quelque part dans la Bible, on dit que celui qui vient d'en haut, donc représente une manière de penser, une manière de voir qui n'est pas tirée de la doxa, qui n'est pas tirée de l'environnement social, qui n'est pas, dont les matériaux ne sont pas tirés de cet environnement-là. Donc, en réalité, c'est la force ascendante. Et s'il arrive donc que celui-là qui vient d'en haut et qui est au-dessus de tout, il arrive à étendre, à multiplier ce qui le représente comme manière de voir et de penser, il détruit. Il renverse le rapport de force. Donc, c'est de cela qu'il est question. Donc, c'est lui qui est la doxa, remarquez-le très bien, ne peut pas sortir la doxa. Il est la société. Donc, c'est la doxa qui existe. Lui, il n'en est que la projection. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que si vous voyez très bien, c'est que les représentations physiques de la doxa, donc la société, créent, je l'ai dit au départ, créent l'état émotionnel quotidien. C'est le simple regard que quelqu'un te regarde, en réalité, c'est qu'il émet comme onde. N'en parlons plus lorsque les gens se réunissent pour mal parler, pour médire, pour émettre des opinions donc tu estimes qu'elles sont contre toi. En fait, c'est une force, c'est une puissance qu'on émet contre toi. Et lorsque tu es en résonance avec cet environnement-là, en réalité, soit ça peut te détruire, ça peut te déstructurer, ça peut te désorganiser. Donc, ça fait que tu n'es plus la même personne. C'est comme quelqu'un qui prend une pierre ou une masse, un poids important, il envoie contre toi. Si tu es sur la trajectoire du poids qui est envoyé, si le poids tombe sur toi, il peut te briser. Mais si tu n'es pas sur la trajectoire de la masse qui est envoyée, elle ne t'atteint pas. Effectivement. Donc, c'est de ça qu'il est donc question. Donc, ça veut dire que pour renverser la vapeur, ceux qui ne sont pas tirés de cet environnement, donc qui ne sont pas représentatifs de cette opinion sociale et qui ne sont pas en résonance avec cette opinion sociale, en réalité, ils représentent une force ascendante à la doxa. Parce que ce n'est pas la doxa qui crée leur imaginaire, ce n'est pas la doxa qui crée leur vision du monde, ce n'est pas la doxa qui impose leur notion de valeur, et ce peuple-là se développe aisément. Et c'est lui qui se sert même de ce champ magnétique social, dont la doxa comme une ressource importante, comme les moyens qui leur sont importants pour leur permettre de pouvoir s'élever et étendre donc ce qu'ils sont comme structuration. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à notre deuxième intervenant, donc si on comprend bien, donc si on est la doxa, on ne peut pas sortir de la doxa, puisqu'effectivement il s'agit d'une dimension identitaire, une dimension vibratoire qui fait demeurer dans un champ, mais il existe, il est possible de ne pas être la doxa. Donc il y a une réalité, une des lois supérieures, ascendantes, et qui aussi se structurent, qui ont cette capacité de se structurer, de se multiplier, et même de faire usage de cette puissance, de cette force pour son élévation, pour laquelle la doxa
n'est pas un frein, n'est pas un obstacle, n'est pas un moyen de rétention, mais bien une ressource. Et pour terminer, la dernière question, donc c'est, alors, comment s'organise cette réalité, je ne sais pas si on peut dire communauté, ce collectif, cet ensemble de personnalités en dehors de la doxa, puisque en général, quand on a un ensemble de personnes, par exemple, il faut forcément fonctionner avec peut-être en général les gens voient des règles de fonctionnement, une notion de pouvoir, une notion parfois de hiérarchie. Et souvent on dit que pour qu'il y ait l'ordre, il faut que le pouvoir il soit vertical, il faut qu'il y ait une verticalité dans le pouvoir. Donc s'il n'y a pas donc une régulation telle qu'on la voit dans la société, ne va-t-on pas être dans une organisation anarchique? Comment s'organiserait un tel fonctionnement en dehors de la doxa? Mais, généralement, ce sont les questions très souvent qui s'inspirent aussi de la conception que la doxa a donnée ou a imposée de ce que l'on appelle ici s'organiser, ou alors ce que l'on appellerait ici hiérarchie, parce que ces termes-là, c'est l'environnement social, l'opinion sociale va en imposer un sens en réalité. Bon. Mais si nous voyons un peu comment le corps fonctionne, on nous a toujours appelé le corps, c'est une cellule et qui s'éclate en des milliards d'autres cellules, donc c'est la même cellule. Et puis donc, cette cellule, elle a cette facilité pour pouvoir s'organiser en forme de corps et avoir un fonctionnement très harmonieux, donc très intelligent, elle a simplement de multiplier ce qu'elle est elle-même. Vous voyez, donc nous rentrons là vraiment dans l'univers de l'intelligence. Lorsque vous avez un peuple qui représente ici des fonctions multiples de ce qu'on appelle ici l'intelligence ou la lumière ou bien Dieu, voyez, ce peuple n'a pas besoin. Ce qui le détermine d'abord, c'est l'objectif. Son objectif s'inspire déjà de lui-même, son identité, sa base. Et à partir de cette base-là, chaque élément représentatif de l'ensemble ou alors de l'intérieur ou de la racine ou de la souche, chaque élément discerne clairement sa fonction, sa mission. L'objectif, bien entendu, ici, étant d'étendre ce qu'il représente, ce qu'il représente dans un espace donné. Donc, de faire en sorte, on finit pour cela par comprendre que, en fait, ce qu'on a, on observe comme société a fini par asseoir, imposer son pouvoir, sa puissance, en réalité, en se servant de tout le monde. Vous voyez, en se servant de tout le monde. Si vous prenez cet exemple dans les familles où vous êtes issus, parce que la famille, très souvent, représente une opinion sociale qui s'est éclatée. Bon, mais ces différentes opinions que les uns et les autres représentent est tirée de l'environnement social. Et lorsque vous tentez de sortir de l'opinion représentée par l'ensemble de la famille, c'est la famille qui vous interpelle. Vous voyez, elle représente une puissance extraordinaire. Donc, elle doit vous ramener, pas à elle, mais à l'opinion sociale. Vous voyez, donc elle joue son rôle. Donc au final, ce n'est pas elle qui joue son rôle, c'est toujours la société qui joue son rôle, mais de manière multiforme. Donc lorsque il y a donc cette conscience de soi comme représentative de l'intelligence, représentative de la vie ou représentative de Dieu, de toute façon, comme c'est l'intelligence, chaque élément, chaque maillon ou chaque cellule reconnaît sa fonction de manière naturelle. Merci. Merci beaucoup, Luc. De manière naturelle, chacun reconnaît sa fonction. Il n'y a pas d'anarchie, mais bien au contraire, une harmonie, une harmonisation en soi, une harmonie même avec l'extérieur, avec cette société dogmatique à qui on permet de jouer également son rôle. En tout cas, je pense que c'est ce qui a été dit, qui est souvent dit et qui a été encore répété, suscite un imaginaire intéressant dans les uns et les autres. Et puis certainement, lors de notre échange du mercredi, nous allons y entrer encore davantage
en profondeur. En tout cas, nous te remercions beaucoup, Luc, pour ton intervention très enrichissante. Comme toujours, nous allons rapidement donner la parole à Armand. Armand, du côté de Puteaux, qui voulait aussi apporter un point sur ce thème de la doxa. Bonjour à toi, Armand. Bonjour, Angeline. Merci. Merci à Luc. Bonjour à tout le monde. Je voulais souligner deux aspects complémentaires à ce que Luc a développé. Et pendant qu'il parlait, il y a un souvenir qui me revenait. Dans les religions, il y a quelque chose qu'on appelle la doxologie et qui a rapport avec ce qu'on appelle la doxa. Je crois dans la théologie catholique, ils utilisent ce terme pour désigner en fait une formule de louange ou de gloire adressée à ce qu'ils appellent Dieu. Et donc dans la doxa, il y a une notion de divinité, il y a une notion profondément spirituelle. Et cette utilisation que je viens de signaler en atteste. Ce qui veut dire que la doxa représente en fait, n'est-ce pas, l'esprit, l'expression du Dieu qui se procrée ou qui sait pour créer dans ce que cette vidéo appelait le chant. N'est-ce pas? Un Dieu se procrée dans un chant. Et les Écritures parlent des dieux au pluriel et disent même à ces individus procréés qui sont des dieux. Ça veut dire qu'ils sont porteurs de cette doxa. Ils sont des multiples de cette doxa, de cette reproduction de ce Dieu. Et Luc le soulignait tout à l'heure, hein, c'est une construction artificielle. C'est basé sur des présupposés. Et voyez-vous, ce que nous appelons couramment la science, je voulais m'attarder sur la doxa scientifique. Autrement dit, beaucoup d'entre nous, nous utilisons ces concepts, soit parce qu'on est, on a été familiarisé d'une manière ou d'une autre, parce qu'on appelle l'éducation, tout ça, et vous entendez des gens se prétendre scientifiques, mais en fait, qui sont juste là, n'est-ce pas, des procréations d'une doxa. Mais ceux-là qui sont au niveau de la création de cette doxa sont les seuls vrais fabricants de ce qu'on appelle la science. Et on est là dans une image que je voudrais prendre par rapport à l'architecture. Quand vous voyez souvent une construction, n'est-ce pas, qui a traversé les âges, ce qu'on appelle un vestige, il n'en reste que certains éléments. Ceux-là, ils ont résisté au temps. On peut dire que c'est la doxa de l'architecture. Autrement dit, je voudrais parler ici de ce qu'on appelle les éléments porteurs. Quand vous avez, par exemple, un bâtiment, une construction quelconque, il y a des parties. Si vous enlevez ces parties, la construction ne s'écroule pas, ne s'effondre pas. Mais il y a des parties, aussi infimes soient-elles, si vous en enlevez un petit morceau, la construction s'effondre, ou une partie de la construction. Et c'est comme ça que vous reconnaissez en architecture ce qu'on appelle un élément porteur. Et dans la construction artificielle que Luc a développée, je voudrais prendre cette image d'éléments porteurs pour dire que la doxa sont les éléments porteurs de la construction sociale. Si vous touchez à un de ces éléments de doxa, la construction s'écroule. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il va y avoir une vigilance extrême vis-à-vis de tout ce qui peut menacer les doxas, parce que vous menacez la construction. Et regardez même dans une maison qui est toute construite, si vous n'êtes pas vraiment habitué ou si vous n'avez pas participé à la construction, vous n'êtes pas capable forcément, pour tout un chacun à vue d'œil, de savoir qu'est-ce qui est l'élément porteur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est en ce sens-là que Luc soulignait tout à l'heure, c'est invérifiable. Mais l'architecte, lui, qui a les plans, il sait très bien où sont les éléments porteurs. Et il voit très bien ce qui peut apparaître comme une menace à ces éléments. Et nous avons là, à titre d'exemple, ce qu'on peut voir, par exemple, dans la censure. Quand vous regardez l'actualité récente, là, vous allez voir que ce qu'on appelle censure s'est manifesté à des niveaux jamais atteints auparavant, n'est-ce pas? Il y a même des dirigeants de grands États qui ont été censurés. Et tout le monde, dans les médias sociaux, est confronté à ça d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez que la censure est un instrument, n'est-ce pas, de protection de la doxa. Parce que la doxa, comme elle est artificielle, c'est une fabrication, mais elle est fragile.
elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas invulnérable, elle est même très vulnérable. Et c'est pourquoi la doxa va de pair, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, la dimension de sécurisation, n'est-ce pas, qui va se traduire, qui va se projeter dans tous les champs, que ce soit médiatique, économique, politique, ça va participer à la protection de cette doxa. Et la doxa ici, sur laquelle j'ai parlé tout à l'heure, qu'on peut appeler la doxa religieuse, qui est en fait la mère de toutes les doxas, puisqu'on dit que doxa, c'est opinion. Or, précisément, la religion se propose de construire dans les gens l'opinion qu'ils doivent avoir sur ce qu'ils ne connaissent pas dans ce qu'on appelle l'au-delà ou l'invisible, ou un ou Dieu. Et par définition, ce n'est pas quelque chose. Quelqu'un qui est porteur d'une doxa, en général, ne l'a pas expérimenté en tant que tel. N'est-ce pas? C'est quelque chose dont il a été la cible en termes de téléchargement. Ça a été téléchargé en lui. Et donc, la mère des doxas, qui est la doxa dans le champ religieux, parce que toutes les autres doxas, en fait, dérivent d'une manière ou d'une autre de celle-là. N'est-ce pas? Puisque nous avons déjà dit ici que la peur, n'est-ce pas, est un des éléments fondamentaux, que ce soit la peur de la mort, de l'au-delà, etc. Et c'est l'apanage, la religion s'est arrogée ce champ-là, le champ de la peur. Quand les gens ont peur, même s'ils passent par le psychologue et tout ça, quand ça dépasse certaines limites, ça finit toujours chez le religieux, chez le prêtre, chez le pasteur et autres. Donc, voyez ici, cette doxa religieuse-là, qui, donc, je reviens sur le point de départ, qui renvoie à la divinité, en fait, est en fait l'élément porteur de l'architecture sociétale. Et ça se voit donc, non seulement dans la censure, mais ça se voit également dans l'éducation, Luc l'a souligné. Et pour terminer ici, je voudrais indiquer que l'individu étant, n'est-ce pas, juste une projection de cette doxa, quand il parle d'expérimentation, c'est la doxa qui s'expérimente elle-même. Ce n'est pas l'individu qui vit l'expérience, c'est la doxa, construction artificielle, qui s'expérimente et qui observe son niveau de performance pour s'auto-reconstruire, parce qu'on appelle une rétroaction. C'est-à-dire, on considère les effets et on en tire des moyens pour recréer des causes qui vont redonner à la dynamique une nouvelle dimension, qui est plus appropriée, qui est plus proche de la cible qu'on veut atteindre. Et c'est un procédé de construction, n'est-ce pas, que l'on observe classiquement, hein, dans les constructions artificielles, dans les constructions de ce genre. Et donc, le point que je voulais souligner ici, c'est celui-là, c'est que c'est la doxa qui expérimente. Et que pour sortir de ce champ, la doxa ne peut pas sortir de la doxa. Donc, il faut donc cela qui n'est pas de la doxa, qui va pénétrer la doxa et qui va la rendre inconfortable. Et cet inconfort-là va faire que, naturellement, l'édifice, par cette fissuration-là, ne va pas tenir. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de débat. C'est comme lorsque vous envoyez un tremblement de terre sur un édifice, l'édifice n'a pas le choix, il s'écroule. Que Luc l'expliquait tout à l'heure par ce rapport énergétique entre deux confrontations, entre deux masses en confrontation. Donc, l'ingénieur qui a construit un bâtiment, un pont, n'importe quel ouvrage, n'est-ce pas, il va en fait, dimensionner ou déterminer les caractéristiques de l'ouvrage en fonction des menaces auxquelles l'ouvrage va être exposé. Et les doxas ont exactement les mêmes limites. Donc, tout simplement, si vous avez un phénomène qui sort du champ des limites de fonctionnement, c'est comme ça que ça s'appelle en ingénierie, de l'ouvrage, eh bien, l'ouvrage ne tient pas, il s'écroule. Et donc, c'est aussi simple que ça dans la doxa artificielle. Lorsque l'identité du créateur pénètre, arrive, eh bien, la doxa artificielle ne tient pas. Je te rends la parole, Andy. Merci beaucoup à toi, Armand. Lorsque l'identité créatrice, la pensée créatrice pénètre là où il y a la doxa s'effondre, la doxa pierre angulaire de la société, pierre angulaire du dogme social dans ses différents champs, effectivement, est fragile et par définition limitée. C'est pourquoi elle se protège, c'est pourquoi elle rentre en guerre, elle lutte contre tout ce qui n'est pas elle, car peut-être ce qui n'est pas elle est la vérité et risquerait de révéler ce qu'elle est, puisque la doxa joue ce rôle, certes,
pour ceux qui gouvernent de maîtriser les populations et s'assurer que chacun joue son rôle, mais aussi elle a cette fonction pour celui qui n'est pas la doxa, de révélateur identitaire, puisque, comme l'illustrait Luc, lorsque, par exemple, on est élevé dans une cellule familiale, expression d'un type de doxa, sortir, s'élever en conscience, par exemple, être l'expression d'une réalité supérieure, se manifeste naturellement par cette capacité de s'extraire de la doxa. Donc, la doxa est un révélateur de ce qui n'est pas la doxa, donc de cette capacité grandissante de s'élever en dehors de ces dogmes, de ce milieu qui se veut de rétention de tout ce qui lui est inférieur, qui lui est subordonné. Donc, je pense que les uns et les autres, déjà, peuvent éprouver en soi ce qu'il est et est-ce qu'il est, est-ce qu'il représente cette capacité harmonieuse de s'élever au-dessus de la doxa. Et donc, en ce sens, la doxa joue tout simplement son rôle pour qui de droit. Voilà, donc, oui, Armand, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, il y a juste un élément de comparaison par rapport à nos échanges antérieurs. Je vais faire le lien avec l'épigénétique. La doxa est à la construction sociétale, ce que l'épigénétique est à la génétique. Voilà, je te rends la parole. Tout à fait, comme pouvait aussi l'exprimer Luc à travers cette expression, le logos, le commencement à partir duquel on construit le reste. Donc l'épigénétique, comme on a pu l'aborder, effectivement, c'est cette conscience que l'environnement crée, les particules génétiques qui vont y fonctionner pour jouer un rôle. Et effectivement, cette doxa est vraiment cet outil, cet arsenal utilisé pour s'assurer de cette réalité épigénétique dans l'épigénétique sociale, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à toi, Armand, pour ces apports d'informations très pertinentes, cette illustration. C'est vrai que peut-être que certains qui avaient déjà entendu parler de la doxa l'avaient entendu dans le cadre dit religieux, puisque, effectivement, je précise dit religieux, puisque quand on comprend que religion, c'est relié, n'est-ce pas, une population à une dimension dite transcendantale, une personne morale qui lui est ascendante, ce qu'on appelle Dieu. Au final, comme disait dernièrement un homme politique, non, attendez, il y a l'État et après, il y a Dieu. Donc, on comprend que la dimension dite étatique politique supplante même cette dimension jusqu'à présent qu'on pensait religieuse, parce que c'est elle-même qui utilise les différentes dénominations comme des champs, des sous-champs d'application de dogmes, toujours dans l'objectif de s'assurer que chacun joue son rôle dans son champ pour le maintien, pour la sécurité de la société. En tout cas, merci beaucoup à Luc, merci beaucoup à toi, Armand. Nous allons donc maintenant rapidement faire un tour du côté du chat pour avoir vos réactions, vos questions éventuelles et commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. À tout de suite. Nous saluons Olivier Carola, Virginie 41, pour tout Marise, Arnaud Wessou, Tabar Nadiège, Dindé depuis l'Indé, Omic Michel, Irène Kefas, Daniel Lolonga, Emmanuel Ebi, Parfait Mouzou, Annick Jamyang, Véronique Kwapnang, Brigitte Mafo, Rachel Camon, Petit Columbus qui nous salue depuis Twitch. Nous avons Virginie 41 qui nous ont salués, qui se sont fait voir sur le chat, les différents chats comme Abraham Michael, Magellan Tamco et Mark Wicklis. Donc nous savons que c'est un petit échantillon non exhaustif de tous ceux qui nous suivent en direct. Merci pour ces salutations. Et puis parmi vous, certains n'ont pas posé de questions, mais ont plutôt réagi par rapport à ce qu'ils entendaient. Et la première réaction que je vois sous les yeux est celle d'Olivier Carola, qui nous dit que la doxa, c'est la colonne vertébrale du système social. Virginie 41, elle, de son côté, nous dit « L'individu humain, fabrication de la société, comme on l'a vu dernièrement, n'est pas fait pour réfléchir, n'existant pas en dehors de ces dogmes qui deviennent des vérités fondamentales dont on ne peut remettre
en cause ces principes, ces opinions frelatées sont leur vérité, bien sûr, pour le logiciel humain. De son côté, Dindé depuis lundi nous partage une pensée. Sa pensée est que les idéaux sociaux de la société, l'idéal de vie, des valeurs de la société, déracinent l'âme des enseignements de la vie. La société repose sur le fondement de la dénaturation de la vie, le fait de s'identifier à tout ce que la vie éprouve, de s'identifier à tout ce qui réprouve l'âme de la vie, son essence et sa décence. Alors, c'est très intéressant cette réaction d'Indé depuis l'Indé, parce qu'elle met quand même en lumière une petite particule de doxa. Parce que cette particule de doxa qui dit que l'humain viendrait de Dieu et que la société dénature, renverse, détourne finalement celui qui est de Dieu. Et grâce à l'élargissement de compréhension et aux différents échanges que nous avons quotidiennement et les samedis, nous comprenons que non, l'humain social, en fait, c'est la création, si l'on peut dire, de la société, ne vient pas de plus loin. Et comme souvent, et comme on l'a encore dit aujourd'hui, mais l'humain n'est pas le tout. L'intelligence, la vie, n'est-ce pas, a cette capacité de pouvoir s'exprimer de façon multiple et à travers des supports humains pour révéler sa supériorité et sa non-existence, le fait qu'elle ne soit pas de l'identité sociale. Donc, ce qui est humain social, reste la doxa, mais ce qui vient d'en haut, ce qui vient de plus loin, n'est-ce pas, a cette capacité de révéler par sa supériorité en termes de regard, de compréhension, ce qui n'est pas la doxa, qui vient de plus loin, qui vient de l'être, de l'intelligence, et n'a pas du tout le risque d'être détourné, d'être entraîné ou dévié par quelque puissance, quelque opinion, même par la puissance de la doxa. Alors, nous continuons avec Emmanuel Eby qui nous dit « L'une des caractéristiques de la projection dans la dimension mathématique conventionnelle, P pour projection, c'est P fois P égale P. » Alors, ces symboles permettent à Emmanuel Eby de nous dire que l'humain restera toujours dans la projection de la doxa. Effectivement, en général, on a un champ dans lequel occurrent des interactions et le domaine de définition restant toujours la société. Dindé depuis lundi, le ciel retire les âmes de la doxa. Alors, Abraham Michael qui nous salue et Omic Michel qui nous dit « La doxa est une réalité pour celui qui est le produit de la société. Il ne pense que par la doxa. » Virginie 41 qui continuait donc plus bas. « Comme disait Bonaparte, une société sans religion, donc sans doxa, est comme un vaisseau sans boussole. » Rachel Camogne, si je comprends bien, au niveau de la doxa religieuse, les 10 commandements ont été érigés pour les intérêts de la société. Tout à fait. Puisque quand on le voit au quotidien, c'est même sur ces soi-disant 10 commandements que les jugements moraux, les jugements sociaux sont établis au quotidien pour empêcher les uns les autres d'expérimenter autre chose. Nous avons Jumping Spinner qui nous dit « Moi, je ne connaissais pas ce terme, la doxa, donc merci à vous, car j'ai pu enrichir mon lexique. » Véronique Quapnand qui continue « La doxa, ensemble des dogmes, les humains étant la pierre angulaire. » Voilà pourquoi on parle souvent des lois de Dieu, parlant de la doxa, dit Mark Wicklis. Et puis, Cyril Manga qui dit « C'est quoi la doxa, s'il vous plaît ?» Donc, Cyril Manga certainement vient de nous rejoindre, puisque depuis plus d'une heure, nous abordons ce thème. C'est pourquoi nous t'invitons, Cyril, à regarder cette émission depuis le début. Elle sera disponible même après, donc la fin du direct. Et puis, tu seras le bienvenu dans les différents chats. Déjà, les commentaires sous la vidéo, mais peut-être aussi à nous rejoindre dans le forum Facebook « Un regard nouveau sur la société » pour pouvoir continuer à approfondir et puis nous dire si ce que tu as entendu a pu clarifier ce questionnement.
Voilà, en tout cas, nous vous remercions tous pour tous ceux qui ont partagé donc, ce que leur inspire cette expression et aussi ce qu'ils ont écouté. Nous n'avons pas eu de questions pour approfondir, mais nous avons, pour conclure ensemble, un témoignage qui nous vient de Fabrice Niamsi. Fabrice, qui d'ailleurs a l'initiative de ce thème, c'est lui qui a demandé à ce que nous l'abordions parce qu'il avait entendu cette expression lors d'échanges. Et donc, à travers son témoignage, je pense qu'il nous partage ses réflexions autour du thème. Nous écoutons. Bonjour à tous et merci de me donner la possibilité de dire un mot sur ce thème qui est la doxa. Voilà, donc juste un bref témoignage. Hein. Donc avant l'émission, il y a de cela quelques jours, quand on échangeait sur ce thème et qui renvoie, la doxa qui renvoie aux différentes opinions qui constituent notre société, j'ai trouvé le thème très intéressant parce que ça rencontre pleinement notre quotidien. Voilà, pleinement notre quotidien. Parce que vous-même, vous savez que tout ce que l'on fait en tant que particule de l'opinion sociale, je dis particule de l'opinion sociale parce que pendant le développement qui avait été fait, je comprenais qu'il n'y a pas nous et les opinions sociales, mais nous sommes l'une des particules de ces opinions, de cette opinion-là. C'est ça qui fait en sorte qu'au quotidien, on est totalement dépendant du regard de l'opinion des autres, totalement dépendant de l'opinion des autres. Quand on s'habille, quand on mange, quand on voyage, quand on sort, quand on se coiffe, quand on fréquente, quand on va au travail, totalement dépendant de l'opinion des autres. Je vous prends un exemple. Je suis aussi tailleur. Parfois, je couds l'habit des clients. Une cliente vient vous remettre l'habit. Vous concevez son vêtement. Quand elle veut récupérer le vêtement, elle trouve que le vêtement n'est pas beau. Parfois, même en partant de votre atelier, elle part toute énervée. Mais la même cliente, après une semaine, vous appelle et vous dit que mais finalement, Fabrice, l'habit là est joli, l'habit là est beau. J'ai dit que mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Elle me dit les gens ont tellement apprécié, c'est très joli, tu es un très grand tailleur. Vous voyez un peu. Et à l'époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais c'est dans les instructions que j'ai compris que non, la conception de la beauté que l'on a, c'est par rapport aux opinions des autres. Nous-mêmes faisons partie de cette opinion-là. Vous voyez un peu. Et par exemple, un fou, celui qui est considéré comme un fou dans la société, qui ne se conforme pas aux différentes normes sociales. Lui, il s'en fiche. Il marche dans la poubelle, il marche nu, on se moque de lui. Mais il n'est pas au courant de vous. Lui-même, il se moque de vous. Donc, je comprenais par là que pour ne plus être dépendant de cette opinion sociale-là, il ne faut plus être cette particule de l'opinion sociale. Il faut vraiment être un être qui vient d'ailleurs, peut-être certainement du Créateur, pour vraiment s'épanouir dans ce que l'on fait. Totalement s'épanouir dans ce que l'on fait. Mais tant que l'on est l'une des particules de l'opinion sociale, on ne peut pas faire autrement, quoi. On ne peut pas faire autrement. Ça fait que toutes les conceptions que l'on a, c'est beauté, richesse, tout ça, c'est par rapport à l'opinion des autres. Voilà, merci. Merci à Fabrice pour ce témoignage très pertinent, une très belle illustration avec donc cette sonorité du quotidien, toujours pour ramener au quotidien, puisque nous parlons de nous parlons de vous, n'est-ce pas, à travers ces thèmes. Donc vraiment très, très, très intéressant. Le diagnostic est posé, la doxa, souvent inconsciente, aujourd'hui mise à nu. Nous vous laissons donc aujourd'hui, dans la continuité de cette journée, dans la continuité de la semaine, évaluer le degré d'enracinement de ces opinions et puis de réfléchir, alimenter un imaginaire qui pourrait exister en dehors de la doxa. Si ce que vous avez entendu vous plaît, vous intéresse, vous en voulez plus, vous pouvez entrer en contact avec nous. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous ferons un plaisir de continuer les échanges et de répondre à vos questions. Je rappelle encore qu'il y a donc le forum public Facebook Un regard nouveau sur la société où les échanges continuent, notamment un direct interactif avec vous prévu le mercredi prochain à 13h heure de Paris
pour continuer donc les échanges et aller plus loin dans les réflexions et puis peut-être avoir, vous donner la parole pour que vous nous apportiez des témoignages comme celui de Fabrice, par exemple. Et puis, n'hésitez pas donc à vous rapprocher. Voilà, en tout cas, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous disons donc à très vite pour un prochain thème. Au revoir. Voilà les amis, merci pour ce moment très intéressant, très enrichissant. Oui, je disais que ce qui me marque par rapport au thème qu'on partage, surtout celui-ci, c'est la vacuité. Oui. Qu'est-ce que j'appelle la vacuité? C'est la vacuité lorsqu'on veut parler de l'individu humain. Regardez. Quand on veut illustrer le fait que l'individu doit entrer dans, doit sortir de la danse, vous voyez, il y a une vacuité qui se manifeste parce que on se rend très vite compte que celui qu'on appelle même l'individu n'existe pas. Il y a une vacuité là-bas. Ouais. Il y a une vacuité. C'est ça qui me manque. Cette vacuité-là qui me manque. C'est parce que c'est ça qui transparaît tout le long de ce qu'on partage là. Cette vacuité de l'individu humain qui n'existe pas en fait. Il n'existe pas. Parce que même quand on parle de la doxa, on parle de l'individu humain. On ne devrait même pas parler de lui. On ne devrait même pas parler de lui parce que la doxa, je ne sais pas si. L'image qui me venait, c'est cette image qu'on voit souvent même dans les films. Vous voyez? Quand on a un champ magnétique et que tout objet qui s'approche du champ magnétique cesse d'exister et devient le champ magnétique, il est attiré par le champ magnétique. L'objet n'existe pas, c'est le champ magnétique qui existe. C'est cette vacuité-là qui transparaît, qui me marque en fait. Quand j'écoute les interventions, moi, c'est cette vacuité de l'humanité en fait, notre vacuité. Il n'y a rien, il n'y a aucune substance, c'est vide quoi. C'est vide. Et ce qui explique ça aussi, c'est parce qu'on apprécie le nom à partir de la forme. Voilà. Et ce qui explique aussi ça. Oui. Mais c'est toujours le résultat de cette bataille. Parce que quand tu peux dire à un individu, par exemple, quand on a partagé comme ça, moi je suis un individu humain, si tu veux me dire qu'il faut que je sorte, en fait tu n'as pas d'interlocuteur. Mm-hmm. C'est ça la réalité. C'est que tu n'as pas d'interlocuteur en réalité. Il faut créer l'interlocuteur. Parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. C'est ça qu'il appelle la vacuité. Tu n'as pas d'interlocuteur. Absolument. C'est la seule remarque. J'espère que vous avez suivi. Oui, on vous suit très bien. Oui, oui. D'ailleurs, grand frère, doxa, ça ressemble à docta. N'est-ce pas? C'est le néant là, on voit le néant, on voit le néant de l'humanité. Il n'a pas entendu? Tu n'as pas entendu, grand frère? Il dit qu'on voit le nez, à travers ce partage, celui-ci plus que les autres, on voit le néant de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont, quand Luc et Armand voulaient parler. Quand tu as posé ta question sur le changement, le fait qu'est-ce qu'on peut changer, qu'on peut devenir autre chose que la danse, là, ils ont remarqué la difficulté qu'ils avaient à parler de l'humain. C'est parce que c'est vide. Eux-mêmes, ils se rendent, quand ils veulent parler de l'humain, dans un changement, ils se rendent compte que du côté humain, il n'y a rien, en fait. C'est vide, c'est la vacuité, c'est le néant. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a le néant là-bas. C'est ça qu'ils te disent que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas devenir, la danse, ça ne peut pas changer. Parce que l'humain n'existe pas. Donc c'est ce néant-là. Quand il veut parler de l'humain, il voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de vide, il n'y a personne, il n'y a pas d'interlocuteur. Il faut créer l'interlocuteur.
C'est très intéressant. Et même, j'ai écouté les échanges, parce que Fabrice m'a envoyé les échanges que vous avez eus sur la notion de pression. La notion de pression. Et en fait, le point qui me venait quand je vous écoutais, c'est au niveau des forces dans la physique. Donc, quand on parle des champs de force, il y a notamment la force qui s'exprime par ce qu'on appelle communément l'accélération. Et donc, l'accélération, en fait, elle est permise parce qu'il y a une force de résistance. Et plus la résistance est importante en termes de force, plus l'accélération est grande. Voilà. Et donc, elle va permettre donc, un déploiement énergétique considérable dans une dimension, dans un sens opposé à la résistance. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et le parallèle avec cette dimension de doxa, parce qu'en fait, grâce à la doxa, se renforce la vérité, en fait, se renforce la conviction. C'est-à-dire, ce qui va révéler qu'il y a une conviction, qu'il y a la science, qu'il y a la recherche, qu'il y a l'intelligence qui se construit, qui se développe, c'est cette grande capacité de fonctionner en dehors de la doxa, parce qu'elle grossit. La doxa, c'est une force énergétique. Quand on parle de masse, c'est volontaire. C'est qui dit masse dit jet, donc qui dit cette force gravitationnelle qui fait que tout ce qui essaye de monter descend, il ne peut pas s'élever. Et en fait, ce qui révèle qu'on est au-delà, c'est qu'on a cette grande capacité de canaliser cette énergie, en fait, cette masse, pour s'élever. Et donc, à ce moment-là, on voit que, parce que quand Papa Lui prenait l'exemple de la famille, je pense qu'on a tous expérimenté ça, et qu'on expérimente ne serait-ce que cela, de se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'émerge une autre façon de voir, de se comprendre, on ne correspond pas au dogme familial, on ne correspond pas au dogme amical, social de la sphère qui finalement, en termes de, si on se révèle uniquement à la forme, peut nous avoir façonné au préalable. Et forcément, il y a un rejet. Déjà au départ, il y a cette alerte, il y a ce rappel à l'ordre de mais attention, il faut faire attention, il faut demeurer nous, et au fur et à mesure,